Bonjour et bienvenue chez Batilux. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble quelques idées de rénovation. Votre maison commence à accuser le coup des années qui passent? Votre intérieur n'est plus à votre goût et l'extérieur mériterait quelques travaux de remise en état? Votre habitat n'est plus aussi économe? Qu'il s'agisse de petits travaux d'aménagement intérieur, d'un rafraîchissement ou bien de gros œuvres, il n'est pas toujours aisé de trouver les bonnes idées. Pour vous aider à mener à bien votre projet, Batilux vous conseille pour des travaux de rénovation à la fois fonctionnels et esthétiques. Idée numéro 1. Agrandir sans agrandir. Vous vous sentez à l'étroit dans votre habitat? Au lieu d'envisager tout de suite l'extension de maison, vous pouvez d'ores et déjà planifier la création d'une terrasse à niveau. Qui, lorsqu'il fait beau, vous permet d'ouvrir vos fenêtres et baies vitrées tout en ayant une grande et agréable perspective sur l'extérieur. En connectant votre intérieur et votre extérieur, vous aurez non seulement l'impression d'agrandir votre maison mais vous gagnerez également en lumière, ce qui vous permettra de réaliser par la même occasion quelques économies d'énergie. Idée numéro 2. Sublimer l'escalier. Que vous viviez dans un appartement en duplex ou en maison, l'escalier est une pièce qui occupe l'espace et qui est rarement mise en valeur dans nos intérieurs. Pourquoi ne pas prendre le contre-pied et en faire un véritable élément déco? Au lieu de le cacher à tout prix, vous pouvez par exemple poser une ouverture dans le toit afin de créer un puits de lumière, il deviendra alors un élément central de la maison. Pour allier l'utile et le design, vous pouvez également choisir de le rétro-éclairer. Grâce à des ampoules LED basse consommation, vos pas seront sécurisés, même en pleine nuit. Idée numéro 3. Jouer la transparence. Ultra design et résolument contemporain, les sols transparents ont un pouvoir rajeunissant immédiat. Le sol en verre est une possibilité mais si vous avez l'esprit aventureux, vous pouvez également opter pour un filet suspendu. Véritable terrain de jeu, ces planchers hors du commun, en plus de conférer un style incomparable à votre logement, vous apporteront une luminosité accrue. Idée numéro 4. Faire un mix vintage, moderne. Rien de plus tendance au niveau déco intérieur et aménagement que d'associer avec goût ancien et moderne. Laissez sa chance à votre ancienne vasque de salle de bain ou vos petits carreaux à la mode 60s dans la cuisine. Combiné avec un mobilier design et une décoration moderne, l'alliance des matériaux et des styles rendra votre intérieur unique et ne laissera personne indifférent. Idée numéro 5. Jouer des volumes pour optimiser l'espace. L'optimisation de la superficie de chaque pièce de l'habitat passe par de nombreux aspects et pas seulement l'exploitation de l'espace au sol. L'agencement du mobilier, la différenciation des différents espaces, la décoration, les couleurs utilisées doivent faire l'objet d'une réflexion poussée dans chaque pièce du logement. Aussi, il peut être judicieux de profiter de votre rénovation pour créer une estrade qui va scénariser l'intérieur ou pour aménager une mezzanine qui occupera l'espace en hauteur et pourra vous offrir une chambre supplémentaire ou une pièce pour travailler. La couleur de la peinture des murs est elle aussi à prendre en considération. Les couleurs claires sont notamment celles qui donneront l'illusion d'une pièce plus grande. Idée numéro 6. Exploiter les espaces perdus. Aménager l'intérieur de son logement n'est pas aisé. De nombreux espaces sont souvent sous-exploités alors qu'ils représentent de réelles opportunités de rangement supplémentaires. La place dont vous disposez sous l'escalier peut être optimisée en un rangement sur mesure spacieux, les murs de la salle de bain peuvent accueillir quelques niches ou étagères suspendues, le dessous de votre lit peut être aménagé afin d'y stocker les affaires que vous ne portez pas tous les jours. Grâce à quelques idées d'aménagement, le plafond de votre garage peut devenir un formidable lieu de rangement. Les possibilités sont multiples. Idée numéro 7. Mettre en valeur les extérieurs. Si vous vivez en maison, l'intérieur ne doit pas être le seul à être chouchouté. Afin de valoriser votre bien immobilier, votre jardin ainsi que les murs extérieurs de la bâtisse méritent aussi toute votre attention. Pour les travaux de rénovation sur la façade, vous pouvez éventuellement changer de revêtement si vous le souhaitez. Un éclairage de façade bien pensé saura également apporter un nouveau cachet à votre maison. Pour embellir votre jardin, n'hésitez pas à positionner un petit éclairage solaire pour mettre en valeur vos massifs floraux. Idée numéro 8. Investir les sous-sols. Au lieu d'envisager la construction d'une extension de maison,
pensez d'abord à optimiser toute la superficie à votre disposition. De nombreux sous-sols sont ainsi laissés à l'abandon ou peu exploités. Véritable plus-value pour un bien immobilier lorsqu'ils sont vides, ils le sont encore davantage lorsqu'ils sont aménagés. Les possibilités sont multiples. Cave à dégustation de vin pour les amateurs d'œnologie, salle de cinéma pour les aficionados du 7e art, salle de sport pour les plus courageux et même pourquoi pas suite parentale avec salle de bain adjacente. À vous de trouver le projet qui vous ressemble le plus et qui correspond au mieux à votre mode de vie. Pour ce type d'aménagement, n'oubliez pas de revoir complètement l'isolation et de prévoir un système de ventilation ultra performant pour un air sain. Idée numéro 9. Isoler et aménager les combles. Dans le cadre d'une rénovation énergétique, l'isolation des combles est un indispensable. Représentant 30% de déperdition énergétique lorsqu'ils sont mal isolés, ceux-ci peuvent par ailleurs s'avérer être une aubaine pour ceux qui désirent aménager une pièce supplémentaire dans leur maison. Idéal pour une chambre, le comble peut servir de salle de bain supplémentaire, de salon additionnel, de bureau ou encore de salle de jeu. Idée numéro 10. Aménager les dépendances. Vous vivez dans une maison de campagne et vous disposez d'une grange à proximité? Vous avez un petit appentis dans votre jardin qui vous sert de débarras? Pourquoi ne pas optimiser ces espaces pour en faire une extension à votre logement? Une grange peut être transformée en loft à la déco et au style ultra-moderne dans lequel vous pourrez y accueillir vos amis ou des locataires. Un appentis quant à lui peut être utilisé comme salle de bain d'appoint, comme petite chambre lorsque vous avez du monde chez vous ou comme pièce de méditation pour les adeptes. Avant d'envisager de gros travaux et la construction d'espaces supplémentaires, regardez autour de vous ce que vous pouvez d'ores et déjà rénover et exploiter à partir de l'existant. Pour l'optimisation de l'espace de votre maison ou de votre appartement, il est conseillé de faire appel à un professionnel qui pourra vous donner les bons conseils. Batilux reste à votre écoute pour vos projets d'aménagement et de rénovation. Au revoir et à bientôt pour de nouvelles vidéos.